Si vous regardez cette vidéo sur un iPhone, pour une meilleure visibilité, mettez-vous en mode paysage. Salut, salut les amis, c'est Timena. Aujourd'hui, au sommaire de l'émission, un point podcast, un test d'application en vidéo comme d'habitude et un point commentaire. C'est parti! Nous vous rappelons que vous pouvez nous suivre via iTunes, Twitter, Facebook et YouTube en recherchant École Appli, mais aussi sur nos sites web via www.mirifique.fr. Salut, salut chers amis et auditeurs de École Appli et bienvenue pour cet épisode numéro 81. Aujourd'hui, on va tester une application de détente, bien-être avec des petits bruits. C'est un truc qu'on n'a jamais fait dans l'émission, mais vous allez voir ça dans quelques minutes. J'en profite pour vous dire que l'Apple TV est sorti depuis un bon moment. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une Apple TV, je vous conseille d'aller voir sur le site d'Apple où c'est très très bien expliqué. C'est un petit boîtier que vous branchez à votre télé et vous pouvez avoir toutes les applications que vous voulez sur votre télé. J'espère que d'ici qu'on enregistre et que ce soit diffusé cette émission, l'application podcast officielle d'Apple sera sortie sur Apple TV, ce qui vous permettra de regarder nos émissions bien sûr sur l'Apple TV. Si c'est pas le cas, l'application podcast n'est pas sortie, on vous rappelle qu'il y a quand même YouTube qui permet de nous voir sur une Apple TV. Comme ça, vous pouvez voir l'émission sur un grand écran. C'est toujours bien plus pratique. Et puis, comme je vous l'ai déjà dit, sur YouTube, il y a d'autres émissions qu'École Appli sur notre chaîne. Donc, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Voilà, voilà, sans plus attendre, on va passer donc au test de cette petite application. C'est parti. Alors, aujourd'hui les amis, on va tester une petite application de relaxation. Je sais pas si on avait déjà fait ça, mais bon, on peut tout essayer, hein, voilà. Ça s'appelle Peace, hein, forcément, la relaxation, la paix, Peace, voilà. Donc vous voyez, celle qui est en bas au-dessus des messages, là. Donc on va la lancer. Alors, j'ai réussi à pouvoir enregistrer la vidéo avec l'audio d'un côté et ma voix d'un autre, ce qui fait qu'il y aura un petit montage à faire et un calage, mais c'est pas très très grave à la limite. Normalement, tout devrait bien se passer. Qu'est-ce que ça fait, Peace? Ben, ça vous fait des petits bruits de genre de la douche comme ça. Vous voyez? Je sais pas si vous l'entendez, je vais vérifier. Donc c'est pas la douche, c'est là c'est plus vous voyez la pluie. Et vous pouvez baisser l'intensité. Vous voyez comme ceci. Vous baissez l'intensité. Pourquoi? Parce que derrière, bah, vous pouvez rajouter par exemple le feu. Voilà le feu. Donc hop, ça plus le feu. Donc c'est un peu. C'est rare que quand il pleut, vous mettez un feu dans le jardin. Mais bon, vous pouvez. Et donc, vous pouvez baisser comme ça et adapter. Voilà, c'est assez sympa. Tac, tac. Il y a aussi le vent. Hein. Le vent. Hein. La rivière qui coule. Donc, vous pouvez faire le feu et la rivière qui coule. Là, on se croirait au bord de la rivière en plein été à faire un feu de camp. C'est sympa. Voilà. Et puis il y a le vent aussi, par exemple. Il y en a qui aiment bien le bruit du vent. Moi, c'est pas trop mon délire le vent. Voilà. Et puis, bougez pas. Voilà. Voilà, comme ça, j'entends le vent en même temps que vous. Je vais le rebaisser un petit peu. Voilà, je vais essayer. Voilà. Doucement, doucement, hein, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'éclair, l'éclair. Hop, l'éclair. Attention, l'éclair. Voilà, l'éclair, les orages, hein, c'est magnifique. Voilà, le petit éclair. Voilà. Et puis après, qu'est-ce qu'on a? Ben, ici, on a des trucs qu'on peut mixer, je crois. Hein, turn off, turn on, machin, je n'ai pas trop compris, mais.
Faut voir si on allume comme ça. Non, ça fait rien. C'est quoi cette vague? Ah, c'est la mer, pardon. Voilà, donc après, on en a d'autres, hein, forcément, dessous, il n'y a pas que ça. Donc il y a le feu qui est toujours par défaut, hein, parce qu'il est, il est faible. Voilà. Donc on a la cigale. La grenouille. Le noiseau. L'étrain, faut aimer l'étrain. Hein. Voilà. L'église, faut aimer les églises. Quoique, ça peut être sympa. Le mouton. Voilà. Là, vous pouvez vous faire une ambiance de montagne de fou, quoi. Et la tasse à café, j'ai pas trop compris le délire. Surtout qu'on n'entend pas, si, ça y est. Tasse à café. Moyen, hein. Ok, bon, voilà. Après, du coup, il y a des trucs préfets. Par exemple, voilà, forêt tropicale, donc il vous met la rivière, le vent, les cigales, les oiseaux, machin, voilà. Relax. Que la cigale, par exemple, et... Que la cigale. Voilà, il vous fait des ambiances un peu comme ça. Déjà, tout préfète. Ça sert juste à ça, hein. Honnêtement. Ça, la turn off machin, j'ai pas trop bien compris. On va laisser la rivière un peu. Voilà, on va laisser un peu la rivière en fond. Et ça fait strictement que ça. Voilà, ça fait que ça. Mais il y a des gens qui aiment bien. Hein, c'est voilà, que vous allez bien aimer. Surtout pour s'endormir le soir, c'est sympa des fois d'avoir un bruit de ruisseau, ou il y en a qui aiment bien le bruit de la pluie aussi, hein, ou des petits oiseaux le matin par exemple. Ça peut être assez sympa, c'est de la relaxation encore une fois, donc on va dire que c'est un peu plus pour les filles que pour les garçons, mais bon. Bref, voilà, c'est une application simple. Il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de pub, il n'y a pas de merde au milieu. C'est tout simple, c'est tout con, c'est en flat design. Voilà, on appuie, on monte le volume de chaque truc pour pouvoir mixer. C'est le top, quoi. Je trouve que franchement, là, c'est pas mal. Moi, je m'en sers pas des masses, honnêtement. Je l'ai téléchargé pour vous la faire découvrir. Parce que je trouvais que c'était bien quand même. Mais je m'en sers pas des masses. Donc, je pense que je vais la supprimer dans pas longtemps. Mais. Parce que j'en ai pas l'utilité et que je préfère les playlists de Spotify, comme on l'a déjà vu ensemble. Mais voilà, c'est quand même une bonne application. Voilà, Peace, et puis c'est gratuit en plus. Donc n'hésitez pas. Voilà, les amis. On passe tout de suite à la suite. C'est parti. Voilà, les amis, on se retrouve pour le point commentaire. J'espère que l'application d'aujourd'hui vous aura plu. On va vite fait, comme d'habitude, vous rappeler de vous abonner au compte YouTube, tout simplement parce que sur YouTube, il y a des émissions qui ne sont pas ailleurs, hein, qui ne sont pas dans les flux iTunes, notamment École Apple Watch où on parle de l'Apple Watch, École iPhone où on donne des astuces sur l'iPhone, comment le démarrer, comment bien le préparer avant la revente, ce genre de trucs. Aussi, il y a des vidéos qui s'appellent les astuces de Chimena, où là, c'est plus des astuces sur les trucs web que vous pouvez faire avec votre iPhone ou sur Internet. Et puis, aussi, parce que sur YouTube, il y a tous les épisodes de École Appli, ce qui n'est pas le cas sur iTunes, puisque notre hébergeur ne nous permet pas de mettre toutes les émissions. Voilà. Je vous rappelle aussi qu'il y a le Twitter et le Facebook. Donc allez vous abonner si vous voulez savoir quand les émissions sortent et tout ça. Bref, nous, on se retrouve dans 15 jours comme d'habitude. D'ici là, amusez-vous bien avec vos applis. Ciao, bye bye. Cette émission est disponible une, voire deux fois par mois, en abonnement à iTunes et en HD sur notre site web, école.mirifique.fr. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook ou sur Twitter, ainsi que sur YouTube, en recherchant École Appli, tous les liens sur le site ou sur mirifique.fr. Pensez aussi à venir nous soutenir sur Tipeee via www.tipeee.com/école-appli.